va la trouver. Je m'occupe de l'autre immeuble. On reste en contact radio. Entendu. Je me rends à la tour principale. Maman est là. Quelque part. On va la trouver. Je m'occupe de l'autre immeuble. On reste en contact radio. Entendu. Je me rends à la tour principale. Ah. Hey, le petit soldat se pointera pas ici, mon pote. Ah ouais ? Tu crois ? Oh, tu peux me croire. Attends, t'entends pas quelque chose ? Marc, c'est là ! Contact ! T'es pas mort ? Non, non, c'est mieux. On va se rapprocher. Ah, j'aime pas ça, je peux me faire attaquer de n'importe où. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Ouais, faut peut-être plutôt faire ça. Oh. Par contre, comment ça se recharge, le bestiole? Oh, c'est excellent. Bon. On finit de s'enthousiasmer. Ouais, c'est le soldat. Allez chercher de l'aide! Pas le soldat, rien. T'es dans la merde! Oh merde, là, hein, arrête tout là! Faut changer de côté. J'ai trop envie de me bouffer la grenade. Merde. Dans les genoux, mon pote. Hasta la vista, baby. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Terminator 2 en jeu comme ça. Marc, c'est là. On va dire jamais trop tard, mais... Alors, j'aurais qu'il était mort. Il agonise, ce bâtard. Non. Non, c'est pas les grenades. Principe de la double dose. C'est quand même puissant, hein, vu la distance que ça arrive à... aller par là ou pas? Ah, il y a... Non, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à aller chercher, mais j'ai pas de... J'ai pas d'interaction possible.
Bon. Ouais. Attention, il est là. Oh putain. Il est quand même... Et si je trouve comme c'est un... Je préfère presque avec le viseur, c'est bizarre. Ouh. Non, j'ai l'impression que je peux pas m'en débarrasser de cette merde. Peut-être pas trop s'approcher trop près. Hein. Merde. C'est le soldat. Tu flippes, mon gars. Tu vas clamser ici, enfoiré. On se met dans le dos. Et ça marche aussi. Quoi que je l'aime bien quand même. Je voulais m'en débarrasser tout à l'heure et finalement. Oh là. Fred. Alors on a débloqué un trophée en argent. Ça va pas dire ce que c'est. Petit coup de ralenti histoire de. Qui fait ça? Je rêve, il y a un bout d'une godasse enflammée qui arrive jusque là. Qui a perdu ses pompes? Ah, il va falloir notre petit kit. M'introduire à l'intérieur sera pas compliqué. Ça, je peux pas, il me faut un tournevis. Je le mets. Hop. Ça veut pas. Ah merde, il a. Fallait enlever l'autre avant. Ouais, ok. Excellent. Sois prudent. Ces types sont vraiment bien armés. Je me demande qui les a équipés. Ouais, moi aussi. Vieil ascenseur pourri. C'est lui! Ouais, non, généralement. La physique du jeu, des petits soucis. Hein. Ouais, généralement, quand on descend bah, comme ça d'un ascenseur, faut pas faire le malin, on est attendu. Hein.
vitesse des gosses. Ouais, c'est le pétard clon. On a là, mais c'est le même quoi qu'un silencieux. Oh. Oups. Pourquoi ne pas vouloir faire de bruit, hein? On reprend tout ça. Je peux. C'est parti. Par là. Oh. Je pensais que je passais par là, moi. Tu veux jouer à cache-cache? Pas bien de se montrer à la fenêtre. Ouais, une fois qu'on passe par là. C'est dégagé ici, ouais. Fallait buter le mec à l'intérieur en fait. Avec mes outils, je l'aurais vite crocheté. Facile. Petit crochetage. Bon, à la goupille suivante. D'accord. Je serais pas con. Hé, hey, qui est là? Oh merde, ça c'est pas qu'ils étaient déjà ici. C'est le même. Ah, les extincteurs, ça pardonne pas. Hein. Y a pas que dans Hitman que ça fait mal. Là, c'est le soldat. Oh. C'est ça qui me manquait tout à l'heure, mes deux mains. Ah, j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi j'avais tant envie de plus avoir mon fusil de chasse tout à l'heure, c'était pour les grenades. Ouais. Ouh, c'est fatigant. Oh oh. C'est quoi ça? Pas l'habitude de ça. Ouais. Je préfère avoir une arme plutôt puissante. Et ça, c'est déjà ce que j'ai, mais avec une couleur un petit peu plus sympa. Ah. Ouais, on va tenter. Voir ce que ça donne. Comment ça s'appelle ça? Je crois que c'est des MP7. Contact! Hé hey, oh, oh! C'est le soldat! Faut que je trouve. C'est peu d'armes. Ils vont pas m'attaquer hein, pendant que je... Oh. Et ils sont stylés hein, les deux. Hein. C'est pas des silver balls mais... ils ont la classe. C'est bon, j'ai mes deux... Ça va popper là où j'en suis quasiment sûr avec le... Voilà. Promis des bouteilles de gaz par hasard. J'arrive pas à trouver l'angle. Voilà.
C'est quoi qu'on entend? C'est comme des bruits de pas. D'accord. Ces enfoirés sont partout. On croirait que Tony a pris le contrôle de toute la ville. Je sais. Ah, bah. J'ai fait des recherches. Ah, c'est vraiment sympa. Société de nettoyage, hôtel, agence de voyage. On s'occupera de Tony plus tard. Il faut d'abord tirer maman de là. Ah d'accord, ok. Ouais, non, je vais garder ces deux bébés. Ils me plaisent bien. Attention là, à mon avis. Non. Oula. Ah, c'est génial. Je vais te... J'ai utilisé le ralenti, mais je l'aurais fait sinon si... J'avais pas réussi à l'avoir. Je peux pas rentrer dans la pièce. J'aurais bien été à gauche. Attention là. Bon. Pareil clear. Encore un revolver. Maman est pas là. Garde ton sang-froid, ok? Je me rends à la deuxième tour. Faut pas rester là, hein. Encore un trophée qui tombe. Décidément, c'est la moisson. Ouais, c'est plus sympa et c'est plus facile à viser parce que finalement, comme il y a une traînée de balles, on peut céder des premières balles tirées pour voir exactement où on est. Bon, ok. Ils nous disent rends chat, t'en as pas besoin. Qu'est-ce qu'ils me font pas faire? Merde. On va profiter du ralenti pour recharger. Merde. Encore une fois, il va falloir jouer de la grimpette. C'est parti. C'est lui. Non, non. Non, 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 et laissez-moi. Putain. Foiré. Non, mais c'est pas vrai ça. On se croirait dans Ninja Warrior. Voilà, il est là ce bâtard. T'as intérêt d'être aussi beau qu'on le dit, Marx. Oh. On réunissait les armes qui étaient un petit peu de traviole. Putain. Oh merde. J'arrive pas de l'avoir. M'inquiète. Ouais, pour réinitialiser l'arme, fallait la remettre dans le dos. Faire revenir. Pas les parrains.
découvrir tous les angles. On va encore grimper. Ryan, où est-ce que t'es ? Je progresse dans le second immeuble. Toujours aucune trace de maman. Il y a une grue. J'aurais sûrement une bonne butte là-haut. Oh putain, faut pas avoir le vertige. Regarde pas en bas. C'est vrai que par contre, les gens qui ont réellement le vertige, je sais pas comment ils réagiraient. Ça va, je suis pas trop sujet à ça. Habitude de crapahuter. Enfin, pas trop quand même non plus, hein. Je suis pas un malade. Oh putain, j'ai peur. Maman, je peux plus descendre. Merde. Ouais. C'est rien. Continue. Ok, allez, vite, vite. Et si je lâche les deux trucs en même temps, qu'est-ce qui se passe? Hop. Oh putain. Une seconde, j'ai entendu un truc. Non, non. Marc, c'est là. Oh là là. Mais ça... Allez, mais rentre, bon Dieu, mais au lieu de... Ah oui, il veut que je rentre. Oh là là, c'était pas là. C'est con, il y a... Je peux rentrer ou pas là quand même? Faut que je... Putain, non, d'accord, faut que je grimpe. Oh les bâtards, parce que je crois qu'il y a un truc à choper. Hein. Allez. Mais pour le bon Dieu, voilà. Hop. Fumez-tu. Allez. Ce qu'il faut pas faire pour avoir des étoiles. Et arrête pas de dire qu'on sait pas à qui on a affaire. C'est elle qui a affaire à nous. Elle devrait nous montrer plus de respect, tu crois pas? On est arrivé. Ryan, dis-moi que tu l'as trouvée. Ouais. Elle est pas loin. Hey, oh. Il me reste juste quelques heures. J'ai bien envie d'essayer ça. C'est lui. Oh là 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 là. Bon, par contre, chanter à viser, ça va pas être simple, ça. Waouh. Mon arme préférée, un M308. Oh bordel. Oh, elle est superbe. Avec la poignée et tout. Bon, par contre, c'est vrai que pour la viser, c'est pas simple, mais... Oh, elle est sublime. Ouais, non, par contre, s'il y a un petit problème... Ah ouais, ouais, non. Je sais pas ce qu'on allait dire, c'est plus facile à viser à une main. Ouais. Ouais, parce que la deuxième main, en fait, l'alignement des deuxièmes mains pour avoir l'œil dedans, en fait, ça rend la chose très délicate. Alors qu'une main, ça aligne en main. Là, je suis en train de me faire déglinguer. Oups. À une main, on arrive à mieux. Cache-toi pas là! Excellent! Excellent! Ah ouais, elle est sublime cette arme! Putain, ils vont pas me laisser la contempler! Pas possible ça! Ouais, j'adore avec cette partie là! Être bien calé. Ah ouais, on se croirait dans le premier PD The Heist. Ah ouais, sublime. Bon, j'arrête de m'émerveiller, hein, c'est qu'une arme, mais je l'adore. Par contre, en termes d'efficacité, c'est vrai que les deux pistolets mitrailleurs sont vraiment sympas. Par contre, celle-ci est redoutable d'efficacité. Avec une balle, on fait mal. Oh là là, oh, il nous faut encore grimper. Alors par contre, je sais plus ce que j'ai là en arme. Je vais avoir le M308. Par contre, à mon avis, j'ai perdu un pistolet mitrailleur. Ouais. Ouais, je peux pas avoir les deux en même temps. Forcément, comme ça se prend. Là. À demain. On continue. Ah ouais, non, c'est redoutable. Une balle et bonne nuit les petits. Maman, oh,
mais tu le fais exprès? Qu'est-ce que je t'avais dit enfin? De pas venir ici. C'est ça. Bah, tu trouves ça intelligent de se jeter dans la gueule du loup? Ryan, pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis? Maman, j'ai tué un tas de types et escaladé un immeuble pour te retrouver. Alors on discutera de ça plus tard, si tu veux bien. Bon. Fais attention de ne pas t'électrocuter. Tu déconnes, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un putain de générateur à cet endroit. Ne sois pas grossier. Mais nique sur tout le temps, lui. Bon, passons. Fais voir cette série. Mort de rire, il s'engueule à ce moment-là. Merci bien. Maintenant, alors, on bouge plus. C'est ça dont j'ai besoin. T'électrocute pas. Hop. C'est bon. Ça a été d'une telle violence. Tout s'est passé si vite. Les hommes de Tony nous sont tombés dessus. On n'avait aucune chance. Écoute, maman, j'ai besoin que tu te concentres. Essaie de tirer ce chariot jusqu'à moi. Oula. Non, serre-toi du câble qui est par terre. Bien. Ramasse-le. Super. Comme ça. Sa façon de procéder n'est plus la même. Comment ça? C'était organisé et discipliné. Ça ne ressemble pas à toi. Allez, t'arrête pas. Personne ne s'en est sorti. On n'a plus beaucoup de temps, alors il faut que tu... Tu écoutes ce que je te dis, Ryan. Tony est passé à la vitesse supérieure. Il faut absolument qu'on l'arrête. Ok. Je m'occuperai de lui en temps voulu, je te le jure. Mais là, il faut absolument ce chariot. Allez, encore. T'arrêtes pas? Stop. Super. Recule-toi. Je vais voir si ça fonctionne. Problème, c'est que si je touche ça, je vais m'électrocuter. Non, je sais pas s'il y a un truc. Il a forcément le soutien de quelqu'un. Mais qui? Ah, joli. Je pensais pas en plus y arriver du coup. Ah putain, je mets ma main du bas. Saloperie. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai une charge, ouais. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, on met ça là. Hop. On allume le feu. C'est pas fini. On peut enlever maintenant ces trucs-là. C'est bon, plus de danger. Excellent. Est-ce que tu peux passer de l'autre côté? Oui, je vais y arriver. On ne sait même pas exactement à quoi on a affaire ici. Je suis là maintenant, c'est Fort Boyard. Je ne voulais pas te faire courir autant de risques. C'est pas ta faute, maman. Tony nous a attaqués, il fallait réagir. Ça, c'est exactement ce que ton père m'aurait répondu. Ouais, eh ben il aurait eu raison. Tu vas pouvoir te glisser dans ce trou. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Sois pas grossière. Mais oui, bien évidemment. Super. Bien, continue comme ça. Encore un peu. Tends-moi tes poignets. Comment ça va? Concentre-toi un peu. C'est ce que je fais. C'est bon. Allez, dépêche-toi de filer. Et toi alors? Je vais me débrouiller. Dépêche-toi. Allez. D'accord. Ryan! Oui, je sais, maman. Je serai prudent. J'allais simplement te remercier. Michel, Nick, j'ai fait sortir maman. Ah, génial. Les flics sont en route. Je vais retrouver maman et on te rejoint à la planque. Ryan, et toi? Tony a piégé l'endroit. Je dois me grouiller de sortir de là. Ah bah voilà. Oh merde. Ça va, la démolition a dû commencer. Ryan, je suis en haut de la grue. Contente-toi d'aller à l'angle nord. J'ai une idée. Quoi? Fais-moi confiance. Hé, faut se barrer! Ah, vaut peut-être mieux une arme automatique hein, dans ces phases un peu sportives. Sortir de là!
Michel. Tu dois faire quelque chose. Oh, je vais pas l'avoir celui-là. Dommage. C'est un Alors à voir. Ah, on va un peu faire un bouton. Oh, c'est excellent. Waouh. Ah, là, c'est... Là, quand même, c'est la classe. Oh, mon Dieu. Je me rattrape à quoi, là? Bordel, le container. Oh, putain. Les mimines. C'est quand même la putain de classe, hein. Oh la caisse. On a réussi. Dépêche-toi. Oh non. Oh toi tu vas crever. Désolé de ce qui est arrivé. Où est passé mon frère? On pense qu'il s'en est sorti. On le recherche toujours. Ryan, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ne me laissez pas. C'est pour ça que je suis là. Pour un entretien d'embauche. Vous êtes malin. Vous vous en êtes aperçu, Tony? Vraiment? Non. Quelqu'un tire les ficelles. Ouais, Kayla. Non. Ça va plus loin. Kayla travaille pour une organisation dont le but est de prendre le contrôle de toute la société. Le gouvernement, le commerce, le crime organisé, les agences de renseignement, toutes les formes de pouvoir, qu'elles soient légales ou bien hors la loi. Et ils sont sans doute persuadés d'être les gentils de l'histoire, mais en fait, ils nous imposent toutes leurs décisions et se fichent du reste. Ça fait un moment que je creuse la question, que j'essaie d'obtenir des noms et d'anticiper leurs actions. Le problème, c'est qu'on a une dope. Comment ça? Vous dites qu'une société secrète aurait réussi à infiltrer la CIA? Vous avez complètement pété les plombs? Vous savez que quelque chose ne va pas. Ce Tony Sharp, là, il sort de nulle part et il devient d'un coup l'homme le plus puissant d'Europe. Ça cache quelque chose. Chaque fois que je crois enfin les tenir, ils disparaissent. Peut-être qu'ils existent. Ah. Arrêtez. Je n'ai jamais été si près du but. Vous avez débusqué Tony. Et ça, ça nous laisse une chance. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il a franchi un cap. En s'attaquant à votre mère. Une attaque de cette ampleur, je vois vraiment pas comment un type comme Tony aurait pu monter ça aussi rapidement, sans aide, avec une telle précision et de telles armes. Vous le savez très bien. Ok. Disons que tout ça est vrai. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Je suis bloqué ici avec vous. Je peux vous faire sortir de là.
mais à une condition. Vous allez devoir disparaître et devenir un fantôme. Même les méchants ont peur des fantômes. Vous devez me garantir l'immunité pour Michel et sa protection. Ça, je peux le faire. Alors, je vous suis. Bienvenue à bord. Alors donc, le voilà enfin, le poste de commandement. Le style industriel. Nick est venu là. Bah dis donc, s'il a laissé tout ça, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Falstead. Il en a après Tony. Faut qu'on monte là-dedans. Découvrez ce qu'ils expédient. Et l'endroit où ça va. Exactement. On peut toujours émettre des hypothèses, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut aller sur place. Bon, quand est-ce qu'on part? Vous, vous partez tout de suite. Mais vous alors? Ah, moi je serai là. Ah ouais? Où ça? Je serai à la radio. Il va falloir mes outils. Projeter ça. On l'a déjà testé. Hein. Moi, je veux surtout voir s'il y a des choses nouvelles. Ah, c'est tous les vapeaux qu'on a eu. En fait, c'est tout. Ouais, c'est tous les objets. Ça, j'adore. Qu'on a chopé. Statue. Hey, le diamant. Tony Shark. Le nain. L'armurerie. Mitraillette. Qu'est-ce qu'on peut se mettre dessus? Oui. Tac. Silencieux pour spécialement. J'ai pas. Ah, attends, ce truc-là, ça coûte un bras. Tac. Ça va être génial ça. C'est dommage, j'ai plus la cible. Oh, un truc d'arnaque, on va faire avec ça.